Ophélie, la maman de Lou et la tantine de Simon. On vient de faire une petite expérience sociale. Ma première réaction, c'est de voir qu'il y a une grande différence entre Simon, qui est un garçon, et Lou, qui est une fille. Non, elle n'est pas avec moi, elle est avec qui? Avec vous? Ah, je suis solo. Tu es perdu? Elle est où ta maman et ton papa? Ma chérie? Elle est où, c'est où maman? Oui. Et papa, il est où maman? La caméra cachée en fait. Ah, c'est avec nous, c'est pour les gens à réagir. Bien sûr! Ah, d'accord! Salut ta maman. Coucou. Ça va? T'es tout seul? Bonjour. T'es toute seule? Elle est où ta maman? Tu es perdue? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle est où, maman? Elle est où, maman? Maman, elle est où? Si. C'est bien, monsieur, monsieur. Monsieur, merci beaucoup. C'est une caméra cachée, en fait. Et regardez par là, hein. Ça va? Tu parles français of Nederlands? Spreek jij? Tu parles français? Non. T'as perdu tes parents? Oui. Tu t'appelles comment? Simon. Simon. Et t'as vu tes parents où la dernière fois? Viens avec moi. C'est pas grave. Viens avec moi. On va trouver tes... Ce sont tes parents là? Non? Ok. On va trouver tes parents, ça va? On tire
madame, tu es tout seul? Elle est où ta maman? Elle est où maman? Papa, il est où? Je m'appelle Simon. Hein? Moi, je m'appelle Simon. Quoi? Je m'appelle Simon. Pas Simon? C'est quoi, pas Simon? Maman! T'appelles-tu ton maman? Hein? T'appelles-tu ton maman? Ouais. Par là-bas, il y avait une police. Je vais l'amener avec la pauvre. T'as perdu ta maman, ma puce? La première chose que j'allais faire, c'est de la prendre en main et la ramener près de la police qui était justement parquée là-bas. Mais c'est tout à fait ce que je voudrais qu'on fasse si ma fille était perdue. Merci beaucoup. De rien. Il est où ton papa? Tu es toute seule? Tu es perdue? Oui. Maman et papa? Oh my god, avec moi, ma chérie. On va chez maman et papa parce qu'on reste pas comme ça toute seule. Hein. Ah, ça va, ok. Vous pensez que vous aurez réagi de la même façon si c'était un petit garçon? Bien sûr. Ouais. Un enfant, ça reste un enfant. Ouais, elle avait l'air comme vous. Donc, on vient à tour de rôle de faire semblant que les enfants étaient perdus. Et là, ma première réaction, c'est de voir qu'il y a une grande différence entre Simon, qui est un garçon, et Lou, qui est une fille. On abordait Lou quasiment automatiquement, tandis que Simon est resté plus de 20 minutes tout seul, sans aucune intervention. Ensuite, je trouve que, par contre, ils n'ont pas été assez abordés. Même Lou, qui est abordé un peu plus souvent que Simon, c'est pas encore assez à mon goût. Les gens devraient se poser des questions, rester un petit peu près de l'enfant, voir si les parents sont autour. En tant que maman, ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour mes enfants, c'est au moins, même si on ne se fait pas connaître, c'est rester à côté d'eux, surveiller, voir si le parent revient, voir comment l'enfant se comporte, s'il a l'air en danger, content, triste. Si la maman ne revient pas, je pense que c'est important de rassurer l'enfant, lui tenir la main, lui parler un petit peu. Et si pas, la police est toujours là. Mais en tout cas, quand vous voyez un enfant tout seul, posez-vous la question, est-ce que son papa et sa maman sont là? Est-ce qu'il est en danger? C'est juste 2 secondes de perdu sur son temps, c'est pas grand-chose pour un enfant.